Sois la gloire par son grand amour, dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix, il m'offre sa grâce. À Dieu soit la gloire. Sois la gloire par son grand amour, oh, dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. On veut, mais au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Que Jésus, la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera. Deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Au vœu, mais au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Une nacelle en silence vogue sur un lac gazeux. Tout doucement et elle avance. Elle avance sans un ciel tranquille et pur. Et soudain le vent s'élève, chassant un nuage noir. Et les vagues, qui soulève, font trembler, car c'est le soir. Grande est alors la détresse des voyageurs éperdus. Grande est aussi leur faiblesse, leur foi ne les soutient plus. Mais s'il en est un qui veille, tous bien qu'endormis, en faudra-t-il qu'on l'éveille? N'est-il plus un tendre ami? En faudra-t-il qu'on l'éveille? N'est-il plus le tendre ami? Mettrais-tu donc insensible? Tu le vois, nous périssons. Sauve-nous, nous t'en prions. De aussitôt il s'approche, puis il dit au vent, tais-toi. Oh, yeah. Et tendrement te reproche d'avoir eu si peu de foi. Et tendrement, nous sommes sur le séminaire détruit les fausses sataniques. On the seminary destroy the evil pit.
Nous avons dit qu'une fausse satanique est un piège établi par le diable. You said an evil pit is a trap established by the devil. Dans le but de détruire l'élévation d'une personne. In the goal to destroy someone's elevation. Chaque fois que Dieu est sur le point de bénir une personne, every time God is about to bless someone, le diable prépare contre cette personne une fausse satanique. The devil prepares against a person an evil pit. L'élévation de Dieu, God's elevation, a pour mission, a pour objectif, has the objective de positionner quelqu'un d'après le projet de Dieu. Of lifting up somebody according to God's project. Mais la force satanique a pour mission de rabaisser, de détruire, de neutraliser la vie d'une personne. But the mission of the evil priest is to neutralize someone's life. Vous allez remarquer dans la Bible qu'il y a des personnes comme Joseph, some people in the Bible like Joseph, qui ont connu les forces sataniques. They experience evil priests. Ce n'est pas Dieu qui a poussé les frères de Joseph à le jeter dans une fosse. God did not push Joseph to throw him in the pit. Pour dire que non, c'était une épreuve comme les autres. He said it was a trial like beaucoup others. D'enfants de Dieu dans l'optique de ne pas combattre. Many children of God not to fight. Ils justifient ce qui les arrive. They justify what happens to them. Ils justifient ce qu'ils vivent. They justify what they live. En disant certainement c'est une épreuve. But saying certainly is a trial. D'autres dira même comme Job. As Job. C'est sûr que c'est ma part d'épreuve comme Job. This is my test like Job. Mais ce que vous devez savoir, c'est que what you must know is ce n'est pas Dieu qui a frappé Job, c'est le diable. God didn't strike Job, but the devil. Je répète, ce n'est pas Dieu qui a tué les enfants de Job, c'est le diable. God is not the one who touched the children of Job, but the devil. Le diable a tué les enfants de Job. The devil killed the children of Job. Le diable a détruit les richesses de Job. The devil destroyed the wealth of Job. Le diable a détruit les projets de Job. The devil destroyed the projects of Job. Le diable a donné la maladie à Job. The devil gave sickness to Job. Ce n'est pas Dieu. It is not God. Donc quand tu attribues when you attribute tout ce que tu vis de négatif à Dieu, all what you live as negative to God, il faut faire attention. Careful. Oui, Dieu a permis au diable. God permitted the devil, yes. Mais je connais dans la Bible dit the Bible says qu'il nous a donné le pouvoir. Has given us the power. Ce qu'on lit sur la terre est lié au ciel. What we bind on earth is bound in heaven. Ce qu'on délie sur la terre est délié au ciel. What we unbind on earth is unbound si in heaven. Job avait cet enseignement, if Job had this teaching, ce que Dieu a donné comme ordre au diable au ciel, what God ordered to the devil in heaven, de lier les enfants de Job, to bind the children of Job, Job pouvait délier ça sur la terre. Job could have unbind on et annuler le projet du diable. Mais comme Job n'avait pas la connaissance, il a laissé ses enfants partir en disant Dieu a donné, Dieu a repris. Non, ce n'est pas Dieu qui a repris, c'est Satan. Donc sache que chaque fois que Dieu veut t'élever, l'obstacle ultime à ton élévation s'appelle une fausse satanique. Nous avons lu Daniel chapitre 6 à partir du verset 1. La Bible dit que le roi a établi 120 gouverneurs sur 120 provinces en Babylone. The king appointed 120 governors over 120. Et sur chacun de ces, sur les 120 gouverneurs, il a établi 103 chefs suprêmes. Upon them there were three chiefs. Et parmi les chefs suprêmes, il y avait Daniel. And among the three chiefs there were Daniel. Donc Daniel était le chef des chefs. Daniel was the chief of chiefs. Et lorsque le roi, when the king, dit que je vais élever Daniel au-dessus des deux autres chefs, see, I will place Daniel above the la two Bible kings. Dit qu'il a pensé, il a eu cette pensée. The Bible says he had the thought. Il ne s'est confié chez personne. He confined himself to no one. La Bible dit que le roi pensa, the king thought, the Bible élever says, davantage Daniel. To lift up more Daniel. Dès que le roi a pensé, when the king thought, la même nuit, les 122 autres se sont mis dans une réunion mystique. The 122 gathered in a mystical ils ont meeting. Cherché dans quoi ils pouvaient piéger Daniel pour qu'il entre dans la fosse. They tried to trap Daniel for him to enter in the pit. Nous avons commencé en vous disant, we started was saying, chaque fois que quelqu'un de bien, every time someone good, va seulement penser vous faire du bien, just think about doing you good, va seulement penser vous épouser, just think about marrying va you, seulement penser vous offrir un travail, just think about giving you va seulement penser vous offrir un financement, just think about giving you finance, dans le règne mystique, the mystical realm, il y aura réunion. There will be a gathering. N'accuse pas tous ceux qui te font les promesses et ne réalisent pas. Don't accuse all those who make promises and don't realize. Parmi ceux qui te font les promesses qui ne réalisent pas, among those who make promises and don't realize, il y en a qui sont sous la domination, some are under dominion, sous l'influence, under the influence, des pratiques mystiques of a mystical practice, préparées contre ton élévation. Not against your elevation. Si tu réalises qu'à chaque fois time, que quelqu'un de sérieux serious, veut s'engager commit, à te faire du bien, to do you good, mais à la dernière minute, the last minute ça se garde, it gets power, n'accuse pas don't accuse cette personne. That person, si ça arrive avec une personne, person, deux personnes, two people, trois personnes, three people, sache que toi là, know that you, ton élévation est combattue par les forces sataniques. C'est à toi de combattre. You have to fight.
C'est à toi de combattre. You have to Ce n'est pas par hasard qu'à la veille de quelque chose de grand, tu fais les couches de nuit. C'est-à-dire que tu peux faire 6 mois sans faire les couches de nuit. You can spend 6 months without having Mais sex quand at tu as night. Rendez-vous d'affaires important, When you have a business quand tu as rendez-vous pour demande de visa important, When you have a rendezvous for your visa, quand tu as rendez-vous pour financement important, When you have an important rendezvous la for nuit your là, that night, les gens là viennent. They come. Tu te lèves le matin, tu es mouillé. Just wake up the morning, you Tu dis, Seigneur, à mon âge, si malgré mes prières, Despite my prayers, Lord, tu es dans une fosse. You are in the Mais peace. Pendant ce programme, yes. je dis, cette fosse est détruite au nom de Jésus. Amen. Si tu dis Amen, le Seigneur te délivre. Amen. Je dis, si tu dis Amen, le Seigneur te délivre. Amen. Si tu dis Amen, le Seigneur te délivre. Amen. Daniel est jeté dans la fosse premièrement parce que le roi pense vouloir l'élever. Daniel is thrown in the pit firstly because the thinks about lifting Et dans la fosse au lion, and in the lion's den, l'objectif numéro un du diable, c'est de faire peur à Daniel. The objective number one on the devil is to scare Daniel. La peur est un démon. Fear is a demon qui a paralysé beaucoup d'enfants de Dieu. That has paralyzed many children of God. J'ai expliqué à Douala qu'il y a deux types de peur. I explained to Douala there are two kinds of ceux fear. Ceux qui ont peur de la mort. Those who are afraid of ceux qui ont peur du diable. Those who are afraid of the ceux devil. Qui ont peur des démons. Those who are afraid of ceux demons. Qui ont peur des échecs. Those who are afraid of ceux failure. Qui ont peur des problèmes. Those who are afraid of problems. Ceux qui ont peur du mal. Those who are afraid of evil. Et la deuxième peur, And the second c'est fear. Ceux qui ont peur de la gloire. Those who are afraid of glory. Il y a des gens à l'église, there are people in the church. Ils prient, Seigneur, élève-moi. Lord, lift me Seigneur, up. Bénis-moi. Lord, bless me. Seigneur, ouvre-moi les portes. Lord, open doors. Quand ils rencontrent quelqu'un, When he meets pour lui faire du bien, to do him j'entends good. Seulement, you just hear. Tu es sûr que l'affaire c'est simple. Are you sure it is que simple? Dieu te délivre de ce démon. Je dis, le Seigneur te délivre de ce démon. Amen. Si tu as prié pour l'élévation, ça viendra, tu n'auras pas peur. Oh, ton amen ne me décourage. Si tu as prié pour le mariage, yes. ça viendra, tu n'auras pas peur. Amen. Donne-moi un amen bien s'il te plaît. Amen. Si tu as prié pour le voyage, yes. ça viendra, tu n'auras pas peur. Amen. Tu as prié pour la gloire, yes. la nomination, yes. ça viendra, tu n'auras pas peur. Amen. Donne-moi un amen bien s'il te plaît. Amen. Il y a des gens bizarres. There are strange people. Exactement comme Sarah. Exactly like Sarah. Dieu dit à Sarah. God told Sarah. Tu vas enfanter l'année prochaine à la même époque. You will give birth the next year. Sarah rit. Elle lui a dit. Elle a eu peur. She was afraid. Elle a eu peur. She was afraid. Beaucoup d'enfants de Dieu ont peur de la gloire. Many children of God are afraid of God. La Bible dit. The Bible says, vous êtes le sel de la terre. You are the salt of vous the êtes earth. La lumière du monde. You are the light of la the lumière world. N'est pas faite pour rester cachée. The light is not made to be Quand hidden. Tu es lumière, When you are light, tu dois éclairer. You must light. Je n'ai pas dit que tu te vantes. I don't say you bust. Je n'ai pas dit que tu te fais voir. Oh, you bust. Mais seulement parce que tu es lumière. Only because you are the Dieu light. Te met en haut. God puts you et up. Tu éclaires les autres. And you light others. Donc tu ne dois pas avoir peur si Dieu t'élève. You must not be afraid if God lifts you up. Je commence par te préparer ce soir. I start preparing you Parce que le Dieu que tu sers yes. va assurément te faire du bien. Yes. Je n'ai pas entendu Amen de quelqu'un. Amen. Je dis le Dieu que tu sers va te faire du bien. Amen. De ta famille sortira des grands et des puissants. N'aie pas peur de ce qui arrive. Amen. Parce que Dieu va te faire du bien. Amen. Madame Dieu va te faire du bien. Amen. Monsieur Amen. Dieu fera du bien à tes enfants. Amen. N'aie pas peur. Amen. La fosse au lion a pour mission première de faire peur. The lion has a mission to scare first. J'expliquais à Douala que le lion seulement a son âme. Quand tu vois le lion, tu trembles seul. When you see the lion, you tremble alone. Donc quand on jette Daniel dans la fosse selon, c'est d'abord premièrement pour qu'il ait peur. When Daniel is thrown in the lions, it's for him to be afraid. Dieu dit à Josué. God told Joshua. Moïse est mort. Moses is dead. Mais toi, lève-toi. But you stand. Conduis le peuple. Lead the people. Il lui dit. And he told him. Fortifie-toi. Strengthen yourself. Et prends courage. And be courageous. En d'autres termes. In other words. Ne sois pas faible. Don't be weak. Et n'aie pas peur. And don't be afraid. Fortifie-toi. Strengthen yourself. Veut dire que. Means. Fais tout dans ta vie. Do everything in your life. Mais ne sois jamais faible. But never be weak. Quand la faiblesse veut t'attaquer. In weakness you can be attacked. Débrouille-toi dans la parole. Struggle in the word. Débrouille-toi par mon message. Struggle with my message. Débrouille-toi par la louange. Struggle through the praise. Débrouille-toi par l'adoration. Struggle through the worship. À chercher la force. To seek strength. Je te dis une vérité. I tell you the truth. Même si tu as cru depuis 30 ans. Even if you believe 30 si tu es faible. If you are weak. Et tu refuses de te connecter au Seigneur. If you should connect yourself pour qu'il te fortifie. For him to strengthen tu vas échouer. You will fail. Ne te félicite pas dans tes faiblesses. Don't congratulate yourself in your ne te félicite pas dans tes échecs. Or in your failures. Chaque fois que tu réalises Every time you qu'en realize face de toi, in face of une situation you, est plus forte que toi, situation is stronger cherche than la force seek the strength dans le Seigneur in the Lord pour dépasser cette situation. To surpass that situation. Ne t'avoue pas vaincu tant que tu vis. Don't think you are defeated as long as Je you dis live. Ne t'avoue pas vaincu tant que tu vis. Don't think you are defeated le as long succès as you est en toi. Achievement is in you. La réussite est en toi. Success is in la you. Gloire est en toi. Glory is in la you. Victoire est en toi. Truth is in you.
Il dit à Josué, fortifie-toi. En d'autres termes, in other words, ne sois pas faible. Don't be weak. Si la galère veut t'affaiblir, cherche la force dans tes diplômes. Si le manque de diplôme veut t'affaiblir, cherche la force dans tes relations. Si le manque de relations veut t'affaiblir, cherche la force dans tes prières. Il y a quelque chose dans ta vie que le Seigneur mettra toujours à ta disposition pour te donner la force. Lui, il y a les faiblesses, il y a aussi la force. Lui, il y a le mal, il y a aussi le bien. Fortifie-toi. Dis à ton voisin, fortifie-toi. Dis à ton voisin, fortifie-toi. Oh, je vois les gens qui parlent seuls. Touche quelqu'un, dis fortifie-toi. Touche quelqu'un, me dit fortifie-toi. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Dis à quelqu'un, n'aie pas peur. Dis à quelqu'un, n'aie pas peur. Il n'y a rien en face. Dis, il n'y a rien en face. Dis à quelqu'un, il n'y a rien en face. Dis à quelqu'un, il n'y a rien en face. N'aie pas peur. Quel est papa ici? Tes enfants comptent sur toi. Mais tu as peur. Écoute-moi. Élie, c'est un prophète. Il a tué avec ses mains 850 faux prophètes. Par ses prières, le feu est descendu du ciel. Par sa parole, la pluie a été bloquée 3 ans et demi. Par sa prophétie, la pluie est redescendue. Par l'onction dans sa vie, il a opéré des guérisons. Par la puissance de Dieu dans sa vie, il a libéré les gens, ressuscité les morts. Mais un jour, Élie a eu peur. Son ministère s'est arrêté. La peur a tué le ministère du grand prophète Élie. Écoute-moi très bien ce soir. Je te parle du mystère des forces. Quand Élie a eu peur, il allait se cacher dans une caverne. Dans une fosse. Et un jour Dieu passe par là. Il lui pose la question. Élie, tu fais quoi ici? Dieu t'a appelé. God has called mais parce qu'on t'a effrayé dans la famille, on ne veut pas les affaires des églises, tu as eu peur. Because you were scared in the family, you were afraid. Quand Dieu t'appelait, when God was calling you, quand Dieu t'a choisi, when God has chosen quand you, Dieu t'a établi, when God has appointed il savait you, he knew que les gens n'allaient pas aimer les prières, people who have les prayers, affaires des églises, the matter of churches, mais il savait aussi but he knew too, qu'il n'allait rien te faire. That they will have done même you si nothing, les gens ne t'aiment pas, even if people don't même s'ils you, n'aiment pas tes prières, even if they dislike your ils prayers, ne vont pas te tuer. They will not kill you. Tu as abandonné la foi à cause des menaces. Tu as abandonné la foi à cause des intrigues. Tu as abandonné la foi à cause de la pauvreté. N'aie pas peur. Je te parle du prophète Élie. I'm talking about the prophet Elijah, choisi par Dieu. Chosen by God, loin par Dieu. Anointed by mais God, quand il a eu peur, when he was afraid, c'était la catastrophe. It was catastrophic. Mes amis, my friends, la vie, life, ce n'est pas le fait d'avoir l'argent. Is not the fact of having money. Le succès dans la vie, achievement in life, commence par les batailles dans la pensée. Start by battles in your commence thoughts, par les batailles dans l'esprit. Battles in the spirit, commence par les batailles dans l'âme. Battles in the soul. Si ils réussissent if they succeed, à t'effrayer, to scare tu n'iras nulle part. You will go nowhere. Le sorcier n'est pas fort. The wizard is not strong. Mais le sorcier est courageux. But the wizard is courageous. Malgré sa faiblesse. Despite his weakness. Le lion même n'est pas fort. The lion is not strong. Mais le lion est courageux. But the lion is courageous. Tu penses que le lion est plus fort que la girafe? Do you think that the lion is stronger than the giraffe? Tu as vu les documentaires des animaux? Have you ever watched documentary une on animals? Une patte de girafe tue un lion. One leg can kill a lion. Une patte par derrière de girafe tue un lion. One leg can kill the lion. Mais le lion vient s'accrocher sur le cou. But the lion hangs on the neck. Il signe la girafe le balance. Il signe courageusement sur le cou jusqu'à couper la veine. La peur. Fear. Quand le diable voit when the devil que la gloire arrive, that glory is on the il way, te fait avoir peur. Tu entres dans la fosse. And you enter in the pit. Dieu demande à Élie. God asks Elijah. 1 Roi 19. First Kings 19. Tu fais quoi ici? What are you doing here? Tu cherches quoi ici? What are you looking la Bible dit que Jézabel, Bible says Jézabel a effrayé Élie. Scared Elijah. Elle a dit quand elle a appris ce que Élie a fait à ses prophètes. When she learned what Elijah did to her prophets. Elle a dit si demain trouve ce coup type ici. If you leave tomorrow. Si le type là est en vie après 24 heures. If he's alive after 24 c'est que je ne m'appelle pas Jézabel. It means my name is not Jézabel. Élie a eu peur.
Elijah was afraid. Malgré toute l'onction qu'il avait. Despite all his anointing. Écoutez-moi très bien. Listen to me very well. Chaque fois que sur votre chemin, every time that on your way, le Seigneur est avec vous. The Lord goes with you. D'accord. Okay. Mais but une Jézabel, Jézabel se met en face. Stand et je rappelle que Jézabel, ce n'est pas une belle fille brune. Jézabel is not a beautiful girl. Jézabel, c'est un esprit méchant. Wicked girl. Qui a pour mission, who have the mission de s'opposer aux appelés. Against those who are called. Donc Jézabel dans les églises bizarres, c'est les filles belles. Jezabel in white churches are those who are beautiful. C'est les filles brunes bien habillées, bien maquillées. On dit c'est les Jezabel. Are those who are well dressed beautiful. Jézabel ce n'est pas une personne, c'est un esprit. Jezabel is not a person but a spirit. Qui s'élève that stands contre tous ceux que Dieu a choisi pour le servir. Against all those who are chosen by God. Et elle le fait de manière violente. And she does it violently. Numéro 2. Number 2. Jézabel c'est un esprit. Jezabel is a spirit. Qui s'attaque au fils élu de Dieu. That attacks the elected choisi God, par Dieu. Chosen by God. Élevé par Dieu. Lifted up by pour God. Les bêtes. Je te rappelle que Akab n'était pas un païen. Akab était un fils de Dieu. Mais comme il a épousé Jézabel, il s'est perdu. He got lost. Donc tu peux être à l'église, madame. I'm the church, madame. Ton dragueur qui a beaucoup d'argent là, c'est Jézabel. Sa mission, ce n'est pas de t'épouser, mais c'est de te faire partie finalement de l'affaire de Dieu-ci. His mission is not to marry you, but to make you leave God. Il te dit, je n'ai aucun problème avec toi. I have no problem with you, he said. Tant que tu ne mets pas tes pieds dans les églises. As long as you don't go to churches. C'est un esprit Jézabel. Jézabel is a spirit. Et quand tu regardes Dieu, when you look at God, la parole de Dieu, word of God, l'onction de Dieu, anointing of God, l'esprit de Dieu, the spirit of le God, service de Dieu, service of God, d'un côté from a side, et de l'autre côté, the other side, l'argent, money, ton cœur fait you have heart beating. Que si elle laisse l'affaire, si je vais encore trouver la qualité, si où? Where will I still find this kind if I leave it? Tu as en face de toi, having face of you, Jézabel. Jézabel. Toute personne dans ta famille, cousin, oncle, tante. Every person in your family, cousin, uncle, aunt. Ami, parent, patron. Friend, boss, parent. Qui s'oppose farouchement au fait que tu serves Dieu, c'est Jézabel. Who sent the fact you serve God is Jézabel. Donc Jézabel, so Jézabel s'attaque aux appelés. Attacks those who are Jézabel, Jézabel paie les élus de Dieu. Makes lost those who are elected by God. Fait perdre les fils de Dieu. Makes lost the son of God. Je te pose une question en parenthèse. I ask this question, qui est cette personne qui se rassure toujours? Who is that person who always makes sure? De lancer un commentaire négatif quand tu publies un truc de l'église. To give a negative comment when you post something that concerns the church. Cette personne n'est pas folle. That person is a mad. Cette personne a pour mission. The mission of that person. D'affaiblir ta foi. Is to weaken your faith. Je vais te dire. I want to tell you. Pour le moment tu négliges ce que la personne fait. Actually you are neglecting what the person does. At the end, elle va te neutraliser. She will neutralize you. Le combat est spirituel. The battle is spiritual. Et la parole est une semence. And the word is a seed. Celui qui laisse he will leave, qu'on l'insulte to be insulted, dans sa foi, in his faith, dans son œuvre de Dieu, in his service, dans sa marche avec Dieu, in his way with God, finira par être affaibli. We end up being wicked. Si c'est quelqu'un qui ne te sert à rien, tu supprimes la personne de ta vie. If the person is useless to you, delay the person. Si c'est quelqu'un dont tu dépends de son argent, c'est ton boss, c'est ton oncle, c'est ta tante, c'est ton père. If you financially depend on the person, tu fais l'effort que quand tu veux l'argent là, tu es là, tu fais comme si tu n'as rien écouté. Oui, ton église là, je n'aime pas ça. Oui, ton pasteur c'est un sorcier. Ton église, dès qu'il finit de donner, tu dis, ok, j'ai compris, au revoir. Tu pars à l'église. Mais si c'est quelqu'un qui ne te sert à rien, that person is useless, tu le supprimes. Let him. Parce qu'il va détruire ta foi. Because he will destroy your faith. La Bible dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. That faith is impossible to be pleasant en to d'autres him. Termes, sans la foi, tu es désagréable. Faith, sans la foi, tu ne sens pas bon devant Dieu. You don't have a sans good la foi, order. Tu ne veux même pas te sentir. God doesn't want sans to la see foi, you. Tu ne veux même pas te voir. God doesn't sans want la to foi, feel tu ne peux même pas t'écouter. Sans la foi, listen. Tu ne veux pas te gérer. He doesn't want to mais hear qui a détruit ta foi? Jézabel. Non, dans ma famille, tu sais, on n'aime pas, mais je suis toujours là. Mon ami, il y a des séparations temporaires importantes. Some separation for a time. Toi qui viens de commencer avec le Seigneur. You have just started with toi the qui veux faire l'espoir avec le Seigneur. You want to make with je te donne Lord. Un conseil. I give you an il y a un type d'amis là kind of qui aime insulter l'église. Like to insult qui aime se moquer de tes prières. Like to mock at your prayers. Un conseil. One advice. Temporairement. For a time. Évite-les. Avoid this. Quand on a cru, and we believe, on a coupé. Ce n'était pas les affaires de les gens des églises extrémistes là. Non.
Si je marche avec toi, t'évangélise. If I go with you, I evangelize you. Si je marche avec toi, tu bombardes avec les versets. Moi, j'ai resté les versets par cœur. If I go with you, I bomb you with verses. Tu dis bonjour, j'ai le verset qui va avec ton bonjour. When you greet me, I already have the verse with life. À chaque parole que tu sors de ta bouche, j'ai le verset qui correspond. So each word you release from your mind, my verse corresponds. Mais toi, tu marches avec les gens radicalement opposés à la foi. You go with those who are. Ce n'est même pas une marche par rapport aux affaires. It's not a work for business. Mais l'esprit qu'ils ont va diluer la grâce et l'onction qui est en toi. We dilute the grace and anointing. Quel rapport y a-t-il? What is a link entre la lumière et les ténèbres? Soit tu es inconscient, either you're unconscious, soit toi-même tu n'es pas simple. Or you're not simple. Tu ne peux pas me dire you cannot tell que tu aimes le Seigneur, that you love the appelé Lord, par Dieu, by choisi God, par Dieu, by mais God, tu es toujours and you're always avec les gens bizarres. With strange people. Voilà. You. Peut-être c'est même toi, Jézabel. You might be Jezebel. Tes amis t'appellent pasteur. Your friend called you pastor. Parce que tu publies toutes les choses de l'église. Because you always post what mais tu es le premier au premier rang. But you are the first in the first en boîte de nuit. The nightclub. Premier rang. The first dans les bars. Beer houses. Tu es simple. Are you simple? C'est même pas que tu te caches. Tu fais ça, tu publies pour montrer que je m'en fous. It's not that you hide yourself, but you expose. Le matin à l'église. The morning in the church. Le soir au bar. Even in the beer house. Le matin à l'évangélisation. The morning evangelization. Le soir en boîte de even nuit. Even in the nightclub. Tu es simple. Are you simple? Tu prends la force où? Where do you take that strength? Pour toujours être à l'aise. To always feel comfortable. Avec les gens qui n'aiment pas la foi en Jésus. With those who dislike faith in Jesus. Avec les satanistes. With satanists. Tu peux marcher avec un sataniste si on fait business. Can work with a satanist if there is business. Quand finis de partager l'argent. When you finish sharing money. Chacun rentre chez lui. Mais ce n'est pas mon ami. It's not my friend. Je vous ai expliqué ici. I explain you here. Dans ami il y a âme. In friend there is soul. Donc quand tu dis c'est mon ami, mon pronom. Pronom. Possessif. Je sais que tu n'aimes pas l'école, mais c'est le pronom possessif. Il y a ton voisin, pronom possessif. Pronom possessif. Regarde comme il fait la tête comme quelqu'un qui avait zéro en français. Dis pronom possessif. Pronom possessif. Donc quand tu dis c'est mon ami, when you say it's my friend, c'est ma copine, my friend, tu es en train de lier ton âme à son âme. You are binding your soul to his soul. C'est pour ça que Jonathan s'est lié d'amitié avec David. That's why Jonathan became friend with David. Et la Bible dit que Jonathan aimait David comme son âme. And the Bible said Jonathan loved David as his soul. L'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David. The soul of Jonathan tied to the tu soul of David. Tu ne peux pas m'expliquer. You can't explain que ta meilleure amie qui a les esprits des eaux. Your best friend with marrying spirits. Ne t'a pas encore envoûté. Has not yet bewitched you. Alors que c'est ton ami. Meanwhile, she's your friend. Tu es envoûté, tu ne sais pas. You are bewitched, you are not aware. Tu aimes Dieu, mais tu es envoûté. You love God, but you are bewitched. Tu pries, mais tu es envoûté. You pray, but bewitched. Je ne comprends pas l'église. Et c'est pour ça que votre génération, si vous n'avez pas le feu dans la parole, that's vous n'avez pas have le feu dans l'évangélisation, quand vous parlez de Dieu, vous n'êtes pas enflammé. You're parce not que inflamed. Votre entourage vous a dilué. Because your surrounding has diluted you. Tout ce que Dieu all those God choisit, choose il les met à part. He set them apart. Tout ce que Dieu veut utiliser, all those God wants to use, il les met à part. He set them apart. Mais toi, but you, tu es dans les mélanges les plus extraordinaires de Yaoundé ou de Douala ou bien de partout là. You melt everything. Tu pars partout, tu marches avec tout le monde, tu es avec tout le monde. You do like everybody. Quel rapport y a-t-il? What link is between? Quel rapport y a-t-il? What link is between? Jésus marche avec les gens de mauvaise vie pour faire d'eux des personnes de bonne vie. 8 ans de marche avec les gens, tu publies même quand tu publies les affaires d'église, tu les bloques pour qu'ils ne voient pas. Il y a des amis là que s'ils voient que tu es encore allé à l'église. If they see you, so you went to the church. Encore tes affaires là. The matter of churches again. Tu es obligé de cacher. You're obliged to hide. Il n'y a pas Dieu là-bas. God is not there. C'est les faux pasteurs. You are fake pastors. C'est les conneries. Ce sont les escrocs. You are cool. Et tu commences à avoir honte. And you start being ashamed. Et ça t'affaiblit. And you become weak. Élie est choisi par Dieu. Elijah is chosen by God. Élie a l'onction de Dieu. Elijah has the anointing of mais God. Mais Élie a eu peur. But Elijah was afraid. Il allait se cacher dans une fosse. He hid himself in a hole. Et Élie est devenu inutile. Elijah became useless. Malgré l'onction sur lui, despite anointing on son ministère s'est éteint. His ministry fell. Écoute-moi bien. Listen to me well. Quand tu es dans une fosse satanique, when you are in an evil tu peux pit, avoir le don pour chanter. Can have the gift to sing. Mais
ton onction ne sert à rien. But your anointing is worthless. Quand tu es dans une force satanique, when you are in an evil pit, Dieu peut t'avoir donné un don de guérison à l'époque. God might have given you a gift mais à cause de ta présence dans la force, because of your presence in le the pit, don est mort. The gift is tu dead. Peux être dans une force satanique. You can be in an evil pit. Dieu t'avait dit par les prophètes God had told you to que prophet, tu es une prophétesse née, that you were born prophetess, que tu es une princesse, tu es une reine, tu es un roi. That you are the king, queen, mais à princess, cause de ta présence dans la force, because of your presence in the pit, ce que Dieu t'a donné est mort. What God had given you is dead. Et aujourd'hui, and today, si tu n'as pas ce que Dieu t'a donné, if you don't have what he has given si you, tu ne manifestes pas ça, if you don't manifest tu es simplement inutile. You are just useless. La force the pit te fait peur. Scares la you. Force the pit te rend inutile. Makes you useless. Aujourd'hui vous êtes là. Today you are here. Vous avez des potentiels. You have potential. Vous avez des talents. You have talent. Vous avez des grâces. You have grace. Mais parce que vous êtes dans des fosses sataniques, vous ne servez à rien au royaume. You are useless to the kingdom. Une semaine commence, elle finit. One week starts, on ne peut pas témoigner que par la bouche de cette soeur, the mouth of that quelqu'un sister, était guéri. Someone was healed. Par la bouche de ce frère, the mouth of that brother, quelqu'un acceptait Jésus. Someone accepted parce Jesus que tu es dans une fosse. Because you are in a pit. Seigneur, si tu me donnes le travail avec tes serviteurs, depuis que tu as travaillé, tu as fait quoi? Since you have that job, what have you done? Toi qui es chômeur là, tu sais pourquoi Dieu ne donne pas le travail? You know why God doesn't give you a job? C'est parce que ton frère qui est à côté de toi nous a trahi. Because your brother next to you betrayed. Quand il demandait le travail à Dieu, when he was asking job to God, il a God, dit, Seigneur, je te jure au nom de Dieu. He said, Lord, I si j'ai le travail, je vais te servir. If I have the job, I will le serve. Le gars a eu le travail, il ne sert plus. He had the job, he no more et Dieu served. Dit que comme ton frère as your brother, m'a fait ça, toi là, you, je n'ai plus confiance. I no more trust. Tu sais pourquoi depuis tu demandes le visa ne te donne pas? You know why you are asking visa you are not given? C'est la sœur qui est en Bengla. This is her abroad. Elle nous a trahi. She has betrayed us. Quand la fille cherchait le visa, when she was applying elle balayait l'église. She was wiping the elle servait le Seigneur. She was serving elle faisait the les sacrifices. She was making depuis sacrifices qu'elle est en Bengla. She is abroad. Elle dit que non, j'ai pas le temps. No, I don't have time. Et même sa voix a changé. Even her voice has changed. Et même Dieu ne reconnaît même plus qui parle. God doesn't recognize the person who speaks. C'est à cause de la sœur là. C'est à cause du frère là. Because of that brother, que Dieu ne te fait pas confiance. That God doesn't trust le visa là. Visa. C'est dur. It's difficult. Tu demandes des choses à Dieu. You ask things to God. Et quand il te donne, when he gives, tu ne le sers pas quand même. You don't serve him. Tu fais là comme si depuis le début de l'année, Dieu n'a rien fait pour toi. You're doing as if God has done nothing for you this year. God has done things for you this la year. Vie même que tu as là, c'est un très grand miracle. The life you have is a great miracle. Mais façon tu sers Dieu nonchalamment, ça m'étonne. But the way you are serving God surprises ça me. Ça m'inquiète. It worries me. Tu veux plus? You want more? Si tu n'as même pas pu servir, tu avais moins. If you were unable to serve God with comment less, est-ce qu'il te donnera plus? How will you give him more? La fausse rend ton appel inutile. The pit makes your call useless. La fausse rend ton ministère inutile. The pit makes your ministry useless. La fausse rend ton potentiel inutile. The pit makes your potential la useless. La fausse rend tes diplômes inutiles. The pit makes your degree la useless. La fausse tu es belle mais tu ne sais ta beauté ne sert à rien. You are beautiful but your beauty is je worthless. Je prêche que la beauté est un talent. I preach that beauty is a talent. Aussi vrai que la voix est un talent. As real as voice is a talent. Mais par ta voix tu peux faire des grandes choses. Through your voice you can do great things. Par ta beauté Dieu peut faire des grandes choses. With your beauty God can do ce great things. Ce n'est pas un hasard si la Bible dit que David était beau. David was handsome. Saül était beau. Saul was handsome. Rebecca était belle. Rebecca was beautiful. Rachel était belle. Rachel was beautiful. Donc, la beauté dans la Bible, so the beauty in the Bible, c'est un talent. Is a talent. Mais but toi tu es belle. You are beautiful. Toi tu es beau. You are handsome. Mais tu ne sers à rien. But you are useless. Tu as les diplômes bac plus 4, you have degrees, bac plus 5. Ça ne sert à rien. Useless. Parce que tu es dans la fosse. Because you are in a pit. Une personne qui a les relations, a person who has qui ne lui sert à rien, are useless to him, est dans la fosse. Is in the pit. Une personne qui a l'argent, a person who has money, je touche papa, je touche beaucoup d'argent, mais je ne fais rien avec. I touch much money, but tu I'm not es with dans that la fosse. You are in the pit. Ton téléphone a les numéros des grands. Your phone has contact of great mais men. Aucun de ces grands ne peut te sortir d'un problème. But none of them can remove you from a problem. Tu es dans la fosse. You are in the pit. Les idées tu en as. You have ideas. Mais jamais tu as pu concrétiser une idée. But you never concretize an idea. Tu es dans la fosse. You are in the pit. L'amour pour le Seigneur tu l'as. You have love for the Lord. Mais cet amour là tu ne comprends pas pourquoi chaque fois que tu veux servir, soit c'est toi-même qui gâtes. Either you are the one who soit quelqu'un dans l'église te perturbe. Or someone in the church disturbs you. Ce n'est pas le quelqu'un à ton problème. That person is not your problem. Tu es dans la fosse. But you are in the pit. Quand tu te lèves le matin, when you wake up in the morning, en début de semaine, the beginning of the en début week, de mois, beginning of the month, en début d'année, beginning of the year, tu as la rage, you have a tu as le zèle, you are tu veux zealous, tout faire, you want to do tu veux faire, you want to do, mais avant midi, before midday, tu t'éteins.
Tu es dans la fosse. You are in the pit. Aujourd'hui même. Today, not ça today. Va changer. It shall change. Aujourd'hui même. Today, not Dieu today. Va faire quelque chose. Aujourd'hui même. Yes. Ta vie today. Va être révolutionnée. Amen. J'ai dit le Seigneur va te sortir de là. Le Seigneur va te sortir de là. Ce qu'il a mis va se réveiller. Le potentiel va exploser. La puissance va se manifester. J'ai dit ce soir ça va changer. Donne-moi un amen bien s'il te plaît. On a les gens, ils connaissent. They know. Ils connaissent Dieu. They know God. Elle dit quand ils m'écoutent prêcher comme ça à la télé, ils connaissent le verset. Si je me suis trompé, si j'ai dit je l'ai fait que, je l'ai dit que. Non, pasteur ne dit pas je l'ai fait que, on ne dit pas je l'ai dit que. Pasteur, vraiment, tu aurais dû, tu aurais pu, tu aurais dû, tu n'aurais pas dû. Mais le gars là n'a rien à manger. He has nothing to eat. Il connaît tout. He knows everything. Mais il ne fait rien. But he does nothing. Il y a les savants ici. Some people are servants here. Ils savent tout, hein? They know everything. Non, la sœur là aurait dû marcher comme ça. She should have worked like this. Le pasteur là aurait dû se courber comme ça. The pastor should have been L'église like là aurait dû ne pas faire ceci. The church should have le not gars done connaît this. Toutes les notions, toutes les théories, tous les théorèmes de Pythagore, de Thalès. Racine carrée. Pi au carré. Les nombres complexes. Tu connais tout ça, mais ça ne se sert à... Parfois tu te lèves quand tu dis que oh quand tu es au lycée, oh un physicien de mon état, aïe, un physicien nous appelle les matheux, mon frère, tu es où avec ça aujourd'hui? Quand tu commences à rester les citations, Rabelais, c'est Clotaire, il c'est Notaire, il c'est Voltaire. Tu es où avec toutes les citations là aujourd'hui? Elle dit quand tu faisais le bac. When you were writing quand your tu sors de l'épreuve. Finishing the, after the test. C'était comment? Elle dit, il ne parle pas, il monte seulement le doigt, non. Le gars là, il le bac avait 12 et demi. Tu es où aujourd'hui? Tu as soutenu ton master, mention très excellente. You defended your master. Tu es où aujourd'hui? Where are you today? Tu as voyagé, tu es allé fréquenter, mais tu es rentré au pays avec les projets. You travel and you return avec to your les land idées. With ideas. Mais quand tu es rentré au pays, but when you return on to your t'a land, jeté dans la fosse. You were thrown in the pit. Même voyager, repartir, c'est un problème. Returning is a problem. C'est un problème. It's a problem. Quelque chose que tu faisais à 10 ans naturellement, facilement. Something you were doing easily, naturally. Tu es dans la fosse. You are in the pit. Ne joue pas. Don't play. Quand tu réalises que on a jeté tes diplômes dans la fosse. When you realize your degree were thrown in et the que ce n'est pas tes diplômes que Dieu doit t'élever. And God must lift you up with si your ça degrees, ne sort pas de la fosse, même si on prie pour toi, comment rien ne va changer. No matter how we pray for you, nothing will change. Il y a des gens ici, on va rire, on va blaguer. Yeah, people here, we are going to play. Si c'est pas le mariage là que ta vie va changer. If your life must change through that marriage. Si tu ne te maries pas. If you don't get married. Tu vas prier pour rien. You pray for nothing. Parce que ton mariage sera le déclencheur. Your marriage will be the provoker. De la gloire dans ta vie. Of glory in your mais life. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté true, ta bague de mariage dans la fosse. Marriage ring in the pit. Tout ce que tu fais en dehors du mariage, ça peut marcher. All what you do out of marriage can work. Et ça marche un peu. It work for a time. Mais quand tu parles mariage, when you talk about marriage, catastrophe. Catastrophe. Et au point où le diable te ferme déjà avoir le dégoût du mariage. To the point the devil makes you have disgust of marriage. Tu entends la folle là dire que le mariage n'est pas un fin en soi. Marriage is not an end in itself. Généralement, c'est des filles que Dieu a prédestinées au grand mariage. Generally, God predestined to great marriage. Que le diable est en train d'embrouiller comme ça. That the devil is confusing like that. Je vous ai expliqué que Esther ne s'est pas mariée pour faire les enfants. Esther didn't get married to have children. Esther s'est mariée pour nous sauver. She got married to save. Allez nous le peuple d'Israël qui était chez Assyrus. The people of Israel to the king's sake. C'est pas son mariage. Through her marriage. Que Dieu devait sauver tout le peuple. That God had to save the whole people. Non, Esther ne s'est pas mariée parce que le mari était une fois en soi. Esther didn't get married because Marie was Esther s'est mariée itself. Parce que elle était en mission. She got married because she was in mission. Elle dit qu'il y a les gens ici. Yeah, people here. Dieu ne te donnera pas le travail là. God will not give you that job. Parce que c'est une fois en soi. Because it is an end. Mais tu donneras la position là. He will give you that position. Pour nous sauver. To save us. Bon, il y a des problèmes qu'on aura dans 10 ans. Yeah, problems we'll have in 10 years. Que Dieu te
pour lesquels Dieu te prépare déjà. For which God is already preparing Regarde you. Les problèmes qu'on aura dans 5 ans. The problem you have in 5 Dieu years. Te prépare déjà par rapport à ça. God already prepares you for that. Ne pense pas que Don't think that ce que tu vis là, what you are going through, ce que tu expérimentes là, what you live, ce par quoi tu passes là, what you experience, c'est un hasard. It's a chance. Les choses que Dieu veut te donner, things God wants to give you, c'est parce que tu vas sauver les gens dans les problèmes liés à ce que tu feras. Because you will save people in problems linked to what you will do. Non, ne dis pas que ce n'est pas une fin en soi. Don't say it is an end. Alors que c'est là que Dieu veut te bénir. You know, that's why God wants to bless c'est you. Par là que Dieu veut t'utiliser. God wants to use it there. Qu'est-ce qu'on a jeté dans la fosse te concernant? What was thrown in the pit concerning Quelle est la chose you? Que Dieu t'a donné mais qui ne te sert à rien? What is the thing God has given you that is useless to you? Moïse était dans une fosse. Moses was in the pit. Il faisait, il pétrait les bœufs et les moutons de la, de son beau-père. He was taking care of the livestock of his father-in-law. Jethro. Il croyait que c'était un travail. He thought it was a job. Humblement, poliment, gentiment. Humbly, kindly, politely. Il s'occupait de la belle famille. He was taking care of the family-in-law. Mais il était dans la fosse. But he was in the pit. Il avait un bâton à main. He had a stick. Qui lui servait à taper les bœufs. He used to beat the Il ne savait pas que He didn't know that. Ce bâton. That stick. Il avait fait les exploits. Had to make Quand it. Dieu l'a sorti de la fosse, le même pit, bâton the same stick, qui tapait les bœufs, was beating the a délivré le peuple, delivered the a divisé la main en deux, a avalé les serpents. Je suis en train de te dire, parce que tu vas sortir de la fosse, ta beauté va servir à quelque chose. Tes diplômes vont servir à quelque chose. Ta connaissance va servir à quelque chose. Tes affaires vont servir à quelque chose. Je dis, le potentiel va servir à quelque chose. Je suis en train de dire à quelqu'un, la chose qui dort en toi là, parce que tu sors de la fosse ce soir, ça va être puissant maintenant. Ça va se manifester maintenant. Ça va te manifester maintenant. Mets-toi debout. Étant dans la fosse, When in the pit, le bâton ne lui servait à rien. The stick was useless. Une fois sorti de la fosse, a voice came from the pit. David dans la fosse, David in the pit, avait la harpe. Had the harp. Ça ne lui servait à rien. It was useless. Une fois sorti de la fosse, was out of the pit. La harpe a commencé à guérir les rois. The harp started healing the kings. Là où tu es là, Where you are, tu ne te manifestes pas you don't manifest yourself parce que tu es dans une fosse. Because you are in the tu vas sortir de là, you come out of aller ailleurs. You go elsewhere. Ce que Dieu t'a donné, What God has given ça you, va exploser. Amen. Ça va exploser. Amen. Ça va exploser. Amen. Je dis, ça va exploser. Amen. Le bâton là n'était pas un bâton simple. That stick was not a simple Mais stick. Moïse ne savait pas. And Moses didn't know. Et quand Dieu lui parle, When God talked to il dit me, Moses, he said, Moses, tu as quoi dans les mains? What are you holding? Il dit, vieux père, Your father, c'est le bâton, non? It's a stick. Mais ce qui ne sait pas, c'est que le bâton là, c'est un serpent. That stick is a snake. Mais ce qui ne sait pas que le bâton là, That stick, c'est une clé is a key pour diviser les mers. To divide the seas. Il a banalisé le bâton he underestimated parce qu'il était dans la fosse. Because he was in the pit. Tu vas faire un sujet de prière. One prayer point. Ce que Dieu a mis en toi là, What God has dropped in you, va se manifester. Be manifest. Et pour que ça se manifeste, For it to be manifest, tu vas dire à Dieu, you will tell God, je sors ça de la fosse. I remove it from the pit. Il y a un groupe de personnes ici, vous avez les diplômes. There's a group of people who have degrees here. Vous n'avez pas fait les diplômes là pour rien. You didn't have, you don't have your degrees in vain. Écoute-moi, moi j'ai un master, non? I have a master. Mais ça ne me sert à rien. It is useless. Alléluia. Amen. Et ça me servira à rien, je m'en fous. Ce qui me sert, What is useful, c'est prêcher. Is to preach. Donc si tu m'empêches de prêcher, If you hinder me to preach, tu m'as tué. You kill me. Si toi Dieu t'a appelé à avoir les diplômes, If God has called you to have degrees, et si tu n'expérimentes pas, si tu ne mets pas ces diplômes en exergue, If you don't exercise it, on t'a tué. You were killed. Maman, si tu es belle, If you are beautiful, tu es belle. Et si la beauté là, If that beauty, c'est fait partie de ton talent, it's part of your talent, mais que la beauté là ne te sert à rien, and it is useless to you, ce soir, tonight, ça va sortir de la fosse. Amen. So come out of the Écoute-moi. Listen, je vous ai dit ici. I told you here. La beauté, quand je parle de la beauté comme talent, When I talk about beauty as talent, je ne te dis pas que tu dois te prostituer. I don't tell you to prostitute yourself. Écoute-moi bien. Listen to me well. Quand je parle de la voix comme un talent, When I talk about voice as talent, je ne dis pas que tu vas prostituer ta voix. I don't say you must prostitute your voice. Il faut qu'on s'entende. Let's agree. C'est parce que tu vas coucher que tu es béni. It's not because you will sleep that you are blessed. Quand ta beauté est en valeur. When your beauty is in value. Pas besoin que tu couches, on te donne. You don't need to sleep, you be given.
Quand les filles de Jéthro, when the daughters of Jéthro, ou quand les filles de Laban même, when Laban's daughter, c'est les mêmes gens, the same people, étaient allées puiser l'eau, went to draw the water, elles n'avaient pas couché avec le jeune homme, they had not slept with the man, mais le jeune homme les a aidés, but the man helped them. Pourquoi toi? Why is it that you? On ne peut pas t'aider pour you rien. You cannot be helped for nothing. Quelqu'un peut pas te rencontrer comme si tu dis ma fille veut t'aider. Can somebody meet you and say my daughter wants to? Parce que tu n'as une fosse. Because you are in a pit. Ce soir, tonight, tu sors de la fosse. Amen. Et on va aider tes enfants. Tu sors de la fosse. Amen. Et on va aider ta famille. Amen. Tu sors de la fosse. Amen. Et on va te faire du bien. Amen. Tu vas prier maintenant. Pray. Que le Seigneur sorte ce que tu connais là de la fosse. Chacun ici a quelque chose. Si on t'enlève ça, tu n'es rien. Si on met ça dans la fosse, tout ce que tu fais là, c'est rien. Et les gens ici, ils ont les diplômes, mais le commerce, c'est leur affaire. Le business, c'est leur affaire. C'est-à-dire que tu es un maçon hors pair. Tu es un ébéniste terrible. C'est-à-dire que s'il faut maquiller, tu n'as même pas fait une grande formation, mais quand tu maquilles, on sent que celle-ci a quelque chose. Il y a une sœur ici que plusieurs connaissent. Maquillage et maîtrise. Mais le diable a réussi à la convaincre d'ouvrir un restaurant. Aujourd'hui, elle est endettée à cause de ce restaurant. Vous amusez. Donc le diable a jeté son talent dans la fosse pour qu'elle aille se concentrer dans les restaurants. Qui vous a dit qu'on fait tous les business? C'est parce que ça marche pour les autres, ça marche pour toi. Pas parce que toutes tes copines font ça que tu dois faire ça. Ah, surtout tes frères font ça que tu l'as fait ça. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier. Aïe. Dans les combats. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier. Yeah. Mort dans les combats. Dans les combats. Jéhovah est son nom. Dis Père au nom de Jésus. Que tout talent que tu m'as donné. Sorte de la fosse ce soir. Pendant que je prie. 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 Tout ce que tu m'as donné, tout ce que tu m'as donné, tout ce que tu m'as donné, de la fosse, élève ta voix et commence à prier. Prie, prie, prie. Ça sort de la fosse ce soir. Ce que tu as déposé à moi pendant que je prie, ça sort de la fosse ce soir. Le talent que tu m'as donné, le potentiel que tu m'as donné, ce soir, ça sort de la fosse, ça sort de la fosse pendant que je prie. Pendant que je prie, pendant que je prie, pendant que je prie, ce talent sort ce soir, ce potentiel sort ce soir, pendant que je prie, en claquant les mains, ne t'arrête pas de prier, ne t'arrête pas de prier, la beauté que Dieu t'a donnée, les diplômes que Dieu t'a donnés, ça sort ce soir, pendant que tu pries, pendant que tu pries, en claquant les mains, en claquant les mains, yes, ne t'arrête pas de prier. Ne t'arrête pas de prier. Ce talent la sort ce soir. Ce potentiel la sort ce soir. Cette beauté sort ce soir. Ce mariage qu'on a jeté dans la fosse, ça sort ce soir. Cette diplôme qu'on a jeté dans la fosse, ça sort ce soir. Pendant que tu pries, en claquant les mains. Yes. Au nom de Jésus, amen. Amen. Un homme avait donné les talents à plusieurs, je crois, dans Matthieu 25. Il a donné à 3, à 1, 3, à 1, 2, à 1. Un talent. Et celui qui a eu un talent dit, j'ai eu peur. Je suis allé enterrer mon talent. Dans une fosse. Hey. Tu vas prier. Maintenant. Plusieurs, vous vous êtes enterrés vous-même. En vous dénigrant. En acceptant que n'importe qui vous rabaisse. En acceptant que n'importe qui vous méprise. En acceptant que n'importe qui vous ridiculise. Tu vas dire à Dieu, ce soir, yes, je sors de la fosse. Amen. Avec mes grâces. Yes. Avec mon étoile. Amen. Avec mes talents. Amen. Avec l'onction qui a sur ma vie. Amen. Dis Père au nom de Jésus. Père,
je déclare, je sors de la fosse avec mon étoile, avec mon talent, avec ma gloire, avec ma beauté, avec ma vie. Je sors de la fosse pendant que je prie, 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 prie. Avec mon talent, avec mon mariage, avec mon potentiel, pendant que je prie, 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 déclare ce soir, déclare ce soir, je sors ce soir, avec l'onction, avec la puissance, avec le feu, avec le talent, mon mariage, avec mon mariage, avec mon voyage, avec mon mariage, pendant que je prie, pendant que je prie, tout ce que tu as déposé en toi. Tu sors avec ça ce soir. Tout ce que Dieu t'a donné. Tu sors avec ça ce soir. Le talent que Dieu t'a donné. Sors ta famille de la fosse. Yes. Sors tes enfants de la fosse. Yes. Sors tes frères de la fosse. Yes. Sors tes soeurs de la fosse. Yes. Sors ton foyer de la fosse. Yes. Sors ton ministère de la fosse. Yes. Je sors, je sors, je sors. Yes. Ma famille sort. Yes. Mes projets sortent. Yes. Personne ne reste. Personne. Ma beauté. Sors. Mon mariage. Sors. Mes diplômes. Sors. Mes entreprises. Ma destinée. Yes. Ça sort de la fosse. Est-ce que quelqu'un peut prier bien? Prière. Prière. Chapelle de la grâce. Sort de la fosse. Les pasteurs. Les anciens. Les évangélistes. Les diacres. Les serviteurs. Mes enfants. Mes frères. Mes soeurs. Oh, élève ta voix. Nous sortons de la fosse. 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 Élève ta voix. Élève ta voix. Prière. 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 Prie bien haut. Je sors de la fosse. Ce soir, mon talent sera reconnu. Ma valeur sera appréciée. Sera apprécié. Yes. Élève ta voix et prie bien. Élève ta voix et prie bien. Ne t'arrête pas de prier. Ne t'arrête pas de prier. Continue. Au nom de Jésus, amen. Amen. Lève tes mains. Père, je prie par ta grâce et par ton onction. Tu nous as enseigné ce soir que Moïse avait un bâton, mais dans la fosse, il ne connaissait pas sa valeur. Ce soir, yes, ce que tu nous as donné, parce que ça sort de la fosse, yes, ça nous attire bénédiction maintenant. Amen. Tu nous as donné à plusieurs les diplômes, à plusieurs les relations, à plusieurs des talents pour dresser, pour maquiller, pour coiffer, pour jouer au football, pour jouer au rugby, pour jouer au basket, pour faire un art, pour faire un métier. Mais ces choses ont été jetées dans la fosse. Je prie pour ces personnes ce soir. Yes. Ils sortent de la fosse. Amen. Ils sortent de la fosse. Amen. Ils sortent de la fosse. Amen. Tu vas être apprécié. Yes. Je dis, ceux qui te regardaient sans te voir vont te voir sans te regarder. Amen. Je dis, ceux qui te regardaient sans te voir vont te voir sans te regarder. Amen. À partir de maintenant, yes, à distance, tu attires l'attention. Amen. Tous ceux qui viennent auprès de toi chercheront à marcher avec toi. Amen. Tous ceux qui viennent auprès de toi chercheront à te donner. Amen. Se battront pour te faire du bien. Amen. Se battront pour te servir. Amen. Je dis, tu sors de la fosse. Amen. 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 Lorsque Daniel est sorti de la fosse, il a été élevé. Amen. Et ses ennemis ont été condamnés. Je prie pour quelqu'un ce soir. Pendant que tu sors de la fosse, yes, ceux qui t'accusaient seront condamnés au nom de Jésus. Amen. Ceux qui voulaient te détruire seront détruits au nom de Jésus. Amen. Ceux qui vivaient au travers de ton étoile seront paralysés au nom de Jésus. Amen. Je dis, pendant que tu sors de la fosse, yes, tu récupères ton étoile. Amen. Celui qui avait réussi par ton étoile est frappé. Amen. Je parle à quatre personnes. Quatre. La personne est frappée. 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 Que l'onction de Dieu, yes, te libère. Maintenant. Quel qu'en soit le pays où tu seras, tu vas réussir. Amen. Quelle qu'en soit la ville dans laquelle tu seras, tu vas réussir. Amen.
Quelle qu'en soit l'affaire que Dieu t'a demandé de faire, tu vas réussir. Amen. Quel qu'en soit ton domaine, ta spécialité dans le ministère, tu vas réussir. Amen. Je dis tu vas réussir. Amen. Je dis tu vas réussir. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Assieds-toi.